Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc ça sera une vidéo sur mes produits finis alimentaires parce que j'en ai beaucoup. J'avais tenté de filmer cette vidéo il y a déjà quelques semaines de ça. Voilà, il y a eu un petit souci donc du coup j'avais plus le temps de filmer et là j'ai un petit moment donc j'en profite de suite. Donc mes produits finis seront dans ce gros carton et donc je vais vous les présenter petit à petit. Vraiment dans le désordre en plus, hein. Alors, j'ai fini de chez les recettes de Céliane, des petits moelleux cœur noisette. Donc ce qui était super, c'est que c'était des sachets individuels. Donc il y en avait 7 et c'était vraiment parfait, vraiment des très très bons produits. J'ai vraiment aimé. Donc ça, je l'avais commandé sur internet et j'étais vraiment ravie. Donc je pense que je me le commanderai sans problème. Ensuite, j'ai fini de la marque Gulon, des cookies de cacao sans gluten. Donc ça, c'était un sachet et ils étaient vraiment bons aussi, il n'y a pas de souci. Et j'avais acheté les mêmes, nature, et qui étaient bons aussi. Bon, à choisir, j'ai préféré ceux au chocolat que ceux nature, mais c'était des très bons produits, donc si j'ai l'occasion, oui, j'en rachèterai. Ensuite, j'ai fini de la marque Repère, donc la marque de Leclerc, des cookies aux pépites de chocolat. C'était des sachets, 3 biscuits dans 3 sachets. Non, je rachèterai pas parce que le goût ne m'a pas plu et j'ai trouvé que c'était vraiment basique. Ensuite, j'ai fini des madeleines. Des madeleines donc de la marque Repère, donc franchement j'aime beaucoup ce produit. En rentrant chez moi le soir, j'aime bien me manger une petite madeleine et c'est vraiment agréable. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 6, mais bon voilà, écoute, hein, j'aime bien me faire plaisir de temps en temps, donc du coup j'ai racheté déjà plusieurs fois. Ensuite, j'ai fini des biscottes de chez Char. Il me semble que je vous les avais déjà présentées, j'ai un doute, je ne me souviens pas. Des biscottes qui sont vraiment très bien, il n'y a pas de souci côté goût, ça va aussi. Qui coûtent un peu cher, un peu moins de 5 euros, donc je trouve que c'est quand même très excessif. Mais voilà, quand on n'a pas le choix, on fait avec. Et oui, j'ai déjà racheté, je continue à racheter. J'avais acheté des boudoirs de chez Char. C'était vraiment très bien. Le problème en fait, c'est que c'est une grosse barquette. Et donc les boudoirs font la longueur de la barquette. Donc j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très très beaux. Donc voilà, j'étais contente de goûter, mais je pense que je ne rachèterai pas parce que c'est pas des gâteaux dont je raffole. Ensuite, j'ai fini de chez la marque Repère des spaghettis sans gluten. Écoutez, c'est des pâtes, il n'y a pas de souci, j'ai racheté. Côté apéritif, j'ai fini des cacahuètes. Donc de chez la marque Repère, donc celles-ci sont sans gluten. J'avais bien vérifié les ingrédients qui sont au dos. Voilà, des cacahuètes basiques, tout le monde connaît. Et j'ai fini aussi des curlis parce que dans les curlis, il n'y a pas de gluten. Donc plutôt parfait. De temps en temps, ça fait du bien. J'avais fini des bretzels de chez Char. Voilà, petit format. Je n'en rachèterai pas tout simplement parce qu'en fait, j'aime pas tellement les gâteaux apéritifs comme ça. Voilà, ne soyez pas étonnés, il y a vraiment beaucoup de produits parce que ça fait vraiment un moment que je les stocke. Donc ne croyez pas que j'ai mangé ça en l'espace de 3 semaines. J'ai fini de la marque Procelli, du pain traditionnel. Je vous l'avais déjà présenté dans des vidéos où je présentais les produits. C'est un pain que j'apprécie beaucoup et donc j'essaye d'en racheter régulièrement. Parce qu'en plus c'est un pain qui me tient bien au ventre, donc c'est plutôt pratique quand on ne peut pas manger à des heures régulières. J'ai fini, donc ça c'est un produit que j'avais acheté en magasin bio, donc c'est du millet décortiqué de la marque Marcal. Donc il y avait 500 grammes, voilà, ben, le millet tout simplement parce que tout ce qui est boulgour, semoule de couscous, etc., il y a du gluten. Donc j'ai acheté du millet et ça fait l'affaire. J'ai fini
des cookies de la marque Char. Que j'avais acheté en grande surface, que j'ai vraiment trouvé très très bien. Et si j'ai l'occasion, j'en rachèterai sans problème. Ensuite, j'ai fini de la farine de riz de la marque Björg, que j'achète dans mon Intermarché. J'ai rien de particulier à vous dire, c'est une farine que je rachète régulièrement pour pouvoir cuisiner et varier mes repas. Donc des cracottes que j'ai trouvées vraiment excellentes. Donc rien que pour vous dire, j'ai pu comparer avec la marque Géant Casino. Donc des tartines au sarrasin de chez Géant, celles-ci sont de Leclerc. Et honnêtement, bon celles-là elles sont maïs au riz, hein, y a rien à voir. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ces cracottes là de la marque Repère. Donc je rachèterai, la dernière fois je ne les ai pas trouvées. Donc voilà, il faut juste que je les retrouve. Et donc sinon pour comparer, donc celle-ci c'est au sarrasin. Elles sont bonnes mais ça ne me tient pas du tout au ventre. Et sinon ils font aussi tartines au riz et au maïs. Mais bon là actuellement j'en avais pas. Donc voilà, j'ai déjà racheté, mais je pense que je vais me rabattre de ce côté-là sur celle de Leclerc. J'ai fini des tablettes de chocolat, donc pour cuisiner, parce que je n'en mange plus. Celle-ci de la marque Dardenne, tablette de chocolat noir, que j'avais acheté en magasin bio qui coûtait super cher, moins de 5 euros, 4,75 euros exactement, je m'en souviens. Beaucoup trop cher, donc je ne rachèterai pas. Et j'ai trouvé une petite alternative en magasin. Donc c'est les tablettes de chocolat de chez Nestlé. Voilà, chocolat noir pour faire des gâteaux ou autre. J'en fais vraiment rarement. Mais c'est bien indiqué qu'il n'y a pas de gluten à l'intérieur. Au cas où, n'hésitez pas à acheter Nestlé. Ça fait toujours moins cher que les marques qu'on peut trouver en magasin bio. Ensuite, j'ai fini de la marque Dambert Nutrition. Une farine mixte pour faire des crêpes ou des gaufres. Donc moi j'ai testé les deux recettes, crêpes et gaufres. C'était plutôt très très pratique et ça ne change rien au goût. J'en étais très satisfaite. Bon maintenant je vais essayer de me faire mes mixtes moi-même de farine. Mais sinon pour dépanner j'ai trouvé que c'était très très bien. Ensuite j'ai fini des petits beurres de la marque Char. Donc en fait ces petits beurres je n'en trouvais pas et j'en ai trouvé par hasard dans une grande surface. C'était simplement pour faire un gâteau. Un gâteau chocolat banane et biscuits et petits biscuits au beurre. Donc c'était plutôt parfait et j'en ai racheté parce que nature ils sont vraiment très très bons. J'ai fini de la marque Hip biologique. Donc recette pour bébé. Des compotes pommes coin. Oui j'achète beaucoup de... enfin ces compotes. Tout simplement parce que côté gustatif ça me plaît, par rapport à ma pathologie pomme coin ça passe et il n'y a pas de gluten à l'intérieur. De tête les 4, 2,96€ parce que j'en achète vraiment régulièrement, j'en achète 4 ou 5 par semaine. Enfin ça va dépendre aussi comment je bosse, donc celles-ci sont vraiment très bien et je rachète sans souci. J'ai fini des biscuits de la marque Char, donc ça c'est comme les Fingers. Et honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, de temps en temps, un petit gâteau, j'aime bien. Donc du coup, voilà, des gâteaux qui sont vraiment très très bons et que j'ai pas hésité à racheter. Ensuite, de la marque Procelli, j'ai fini un pain de mie. Un pain de mie qui était dans un sous-vide comme ça. Pas pratique pour conserver, mais du coup, j'avais tout mis dans un tupperware, ce qui m'avait permis de bien le garder. Au visuel, j'ai été déçue, mais alors au goût, franchement, j'ai cru que ça allait être hyper sec. Mais c'était vraiment moelleux. J'ai même fait des croque-monsieur avec. Et c'est dommage que j'en trouve pas dans ma ville, parce que ça, je les trouve que sur internet. Mais il est vraiment tip-top comme pain de mie, donc je rachèterai sans problème. J'espère que j'en trouverai sur internet. Et sinon, j'ai acheté le même, mais en pain complet. Voilà pour ça. Et ensuite, Madeleine, vous voyez, j'ai un autre paquet. Je vous l'ai déjà présenté. Et sinon, un petit produit que vous ne connaissez certainement pas. Donc, c'est de la crème glacée. Qui est fabriquée tout simplement dans une ville proche de chez moi, donc à Carcassonne. Parce que j'habite à une demi-heure de Carcassonne. Et donc, crème glacée, donc ça s'appelle l'entreprise La Belle de l'Aude. Donc pour moi c'était au chocolat, donc 500 ml et donc c'est un pot en carton.
Donc j'ai testé, j'avais bien regardé les ingrédients. Bon, il y a des laitages bien sûr, mais il n'y a pas de gluten. Et franchement, j'ai testé petit à petit. Bon, j'ai vu que tout passait, que j'avais pas de douleur. Donc j'étais vraiment contente. Ça a pu me permettre de manger un peu des desserts un peu diversifiés, à part manger que des compotes. Et j'ai vraiment apprécié. C'est juste le prix qui me fait un peu reculer, parce que le petit pot comme ça de 550 ml coûte 5 euros. Voilà. Donc voilà, bah, j'ai été contente de me faire plaisir. Je vais pas vous montrer l'intérieur, parce que l'intérieur c'était de la glace finie. Donc voilà, c'est un produit donc artisanal, fabriqué dans une ville à côté de chez moi. Donc j'étais vraiment très contente de tester ça. On peut se le procurer en plus dans les magasins, Intermarché, Leclerc, enfin tout ça. Donc voilà, donc ça fait énormément de produits finis. Comme vous pouvez le voir, j'en avais vraiment beaucoup, sachant que je ne les ai pas mangés en 3 semaines. Je stocke, jusqu'à temps que je puisse faire une vidéo. Donc là, il était temps. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis comme d'habitude. Merci encore de me suivre, même si je suis moins présente ces derniers temps. Voilà, j'ai beaucoup de choses ces derniers temps dans ma vie, des petits changements qui font du bien au moral. Et voilà, peut-être que je vous en dirai un peu plus dans des prochaines vidéos sur Facebook, ça dépend. Donc je vous remercie encore de me suivre et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !